Cette vidéo vous montre comment utiliser l'enduit DécoExpérience pour réaliser très simplement un mur de pierre. Avant d'appliquer l'enduit, la préparation des supports est très importante. Pour ce faire, référez-vous à la fiche technique. Une fois le mur propre, il faut appliquer le primaire d'accrochage DécoExpérience. Il s'agit d'une colle en poudre qui se mélange à l'eau pour obtenir une pâte. Appliquez tout d'abord le primaire sur le mur, puis utilisez un peigne à colle à dents fines de manière à l'uniformiser et à créer des stries horizontales. Après avoir attendu 24 heures pour le séchage complet du primaire, mélangez l'enduit pierre DécoExpérience. Appliquez-le directement sur le mur avec une truelle ou une lisseuse de manière très irrégulière. Rechargez si nécessaire là où vous avez déjà appliqué du produit afin d'obtenir l'épaisseur souhaitée. Posez le pochoir sur le mur tout de suite après l'application de l'enduit et impérativement avant que le produit ne commence à sécher. Il y a un contour plein qui permet de le scotcher ou de l'agrafer au mur. Il est possible d'ajouter par endroits une surépaisseur pour créer des pierres en relief. Il est possible de rajouter du grain sur votre mur de pierre pour donner l'aspect de la pierre tendre. Pour cela, utilisez une tyrolienne à crépir pour projeter de l'enduit, ce qui permettra de donner du grain et de l'authenticité à votre mur. Cette opération se fera toujours de manière irrégulière et par petites touches en surveillant le résultat. Vous allez maintenant appliquer les pigments pour teinter la pierre. Il est conseillé d'appliquer au minimum deux couleurs de pigments pour donner à la pierre un aspect plus réaliste. Les pigments se mélangent dans l'eau. Pour leur préparation, référez-vous à la notice. Enlevez le pochoir dès la pigmentation terminée et stockez-le à plat pour le faire sécher. Contrôlez la prise de l'enduit régulièrement car pour passer à l'étape suivante, le produit doit avoir commencé à durcir, ne plus être pâteux et ne plus s'enfoncer facilement quand on appuie dessus avec le doigt. Taillez alors les joints grâce au taille-joint en commençant dans l'angle en haut à gauche, puis de gauche à droite et de haut en bas, comme en lisant un livre. N'hésitez pas à revenir une deuxième fois sur les joints pour mieux les définir. Après avoir fini de tailler les joints, il sera utile de repasser dans les joints avec un pinceau plat afin de les aplanir et de supprimer les épeaufrures sur les bords des pierres. Une fois l'enduit sec et totalement dur au toucher, repassez un coup de brosse sur l'ensemble pour estomper les pigments et vieillir les pierres et enlever les poussières résiduelles.